Liberté Plage, le plus gros festival de l'été à Toulon, s'est achevé le 30 août. Nous avons suivi les secouristes de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var pendant ces 3 jours. Pas moins de 90 secouristes répartis sur 2 postes de secours étaient présents pour assurer la sécurité des festivaliers. Sur le travail et sur la tenue. Le binôme d'évacuation. Après plusieurs minutes de briefing, les positions de chaque binôme sont données. Donc il est important que vous reteniez les indicatifs qu'on vous donne. Hein. Évac 1, évac 2, évac 3. L'heure avançant à grands pas, le chef du dispositif entame un tour des lieux avec son équipe. Les premiers festivaliers à peine installés que déjà une personne se présente au poste de secours. Celle-ci sera rapidement envoyée au poste de secours avancé où elle sera vue par un médecin. Très peu de répit pour les équipes de secours. Quelques minutes plus tard, une jeune femme vient de s'entailler le doigt en plein milieu de la foule. Après avoir nettoyé la plaie et mis un pansement, le secouriste laissera repartir la jeune femme. En fin de soirée, le moment le plus redouté par les secouristes arriva. Un malaise en plein milieu de la foule, à seulement 3 mètres de la scène. Aidée par les agents de sécurité, la victime sera évacuée sur le côté de la scène. Son état ne nécessitant pas de secours, après s'être calmée, la jeune femme repartira faire la fête. Pour bien finir la soirée, petit souvenir avec la star du soir, Martin Solveig. Merci beaucoup. Pas moins de 45 victimes ont été secourues par les secouristes présents sur les 3 soirs. Un énorme merci à eux.